L'association et à l'Open de Moselle, c'est Younes Elaïnaoui qui a un petit peu porté le projet avec Charles, un ancien joueur qui a joué ici, qui est maintenant en fauteuil roulant. Et sa maman voulait monter quelque chose sur l'Open de Moselle. Donc Younes s'est débrouillé pour qu'on puisse avoir un stand et qu'on puisse présenter un petit peu la maladie et en plus organiser une tombola pour essayer de financer la recherche. Des professionnels dans le tennis, une société comme c'est le cas aujourd'hui à Metz, à Nancy, à travers cet Open de tennis, se mobilise pour apporter un soutien concret et moral à une personne jeune atteinte de sclérose latérale amyotrophique et dépasse un combat local. C'est véritablement un signal fort qui est adressé à des personnes atteintes d'une maladie neurologique dégénérative. Donc se dire que l'on peut soutenir ce combat, c'est-à-dire que des sportifs ont considéré que ce combat des malades contre leur maladie pour la vie est aussi leur combat. C'est un acte fort, c'est un acte sportif. Et il faut penser à ces personnes malades qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui au quotidien essaient de défendre leur peau avec leurs moyens, avec leurs forces. Quand les forces s'épuisent parce que la maladie gagne du terrain, c'est à nous tous d'encourager, comme des grands supporters, ces gens pour qu'ils aillent le plus loin possible dans leur vie. Depuis cette année, la direction du tournoi a changé et un des patrons du tournoi, on va dire ça comme ça, est Fabrice Santoro. Donc en discutant, on lui a émis le souhait de faire plus d'actions, de faire connaître la maladie. Je crois que, on le sait, c'est une maladie qui malheureusement avance doucement mais sûrement. Donc on veut vraiment profiter de tout ce temps qui nous reste. C'est difficile de dire ça, mais on le sait, Charles aura bientôt de plus en plus de mal à parler, à se déplacer. Donc on veut vraiment gagner du temps et puis essayer de faire le maximum de choses possibles. Donc voilà, être présent sur des tournois comme ce tournoi de Metz, rencontrer les joueurs. Et puis pourquoi pas essayer d'aller aussi au tournoi de Bercy, passer une journée, assister à passer du bon temps, passer des bons moments ensemble, des moments inoubliables. Et voilà, c'est comme ça que j'essaye d'apporter ma pierre, de soutenir Charles et puis toute sa famille aussi. Et puis un peu, j'aimerais pouvoir le faire à plus grande échelle, penser aux autres jeunes et moins jeunes qui sont aussi touchés par cette maladie. Et puis je crois que le but de l'action, ben, c'est de leur faire profiter justement de ces moments, parce qu'on sait que dans un futur, ça sera de plus en plus difficile. Il va organiser cet instant. Et merci bien évidemment à Julien Boutère, c'est à notre président de tournoi, François Sandon, qu'on retrouvera aussi.